CBS. Bon, alors là, je suis en direction de la rencontre abonnée, donc je me dirige vers la plage. Je viens de faire un petit coup de propre sur la MT parce que bon, voilà, la campagne, la pluie, on sait ce que ça donne. Donc voilà, bah, je vais vous faire une petite vidéo pour récapituler un peu la rencontre abonnée. En plus, je vais passer la MT au banc tout à l'heure, au banc de puissance. Ça risque d'être un beau moment. Donc voilà. Allez, je vous reprends quand je suis avec les abonnés. Aujourd'hui, je suis tout le temps en retard, donc voilà, il est 35. Je vais donner rendez-vous à 30 et j'y suis pas encore. Voilà, bravo ABS. Salut petit quad, allez on va dire bonjour. Et bah lui il peut pas. Ok, allez. Je vais mettre à côté de sa petite sœur. C'est pas le même bruit. Hein. Hey, tu sais que ça peut faire autant de bruit que la mienne. Hein. J'ai un pote qui avait un poireau déchicané, ça faisait mal. Ça va? Ça va? Salut. Oh, une mâche. C'est génial une mâche. Salut. Toi, je t'ai déjà vu toi. Ouais, salut. Bon voilà, on va repartir là. On va aller direction d'Affi, on va passer le MT sur le banc de puissance. On est pas mal. Hey, j'en ai marre de ça, le capteur de béquille là. Dès que je passe ma première, ça l'éteint. Bon allez, c'est type 1. C'est bon, tout le monde qui nous suit. On avance tranquillement vers Daffy. Bon, après, le problème, c'est que je crois qu'il manque du monde, mais je suis pas sûr. Cruiser comme ça en plus ça me fait rire de voir toutes les petites 50 et tout, moi j'en rêvais quand j'avais 14 ans, c'est génial. Un petit MT 125 c'est sympa aussi. Et t'as collé le A en dessous? Ah ouais, non.
Évidemment, vu le nombre qu'on est, on perd des gens en route, c'est bon, on vient de les retrouver. Ah, le bruit, c'est sa diversion. Faites du bruit pour les gens du marché. Merci, on a même un de mes potos qui fait la circulation. Merci à toi Alexis. On va remonter pour voir un peu tout ce qui est tout le monde qu'il y a. Alors on a une petite 50 mono. Là on a un 600 diversion un petit peu trafiqué. Là on a une bécane que j'aurais kiffé avoir quand j'avais 14 ans. Un petit 50 de temps, c'est génial ça. Dedans, on a l'aspirateur. Oui, parce que je sais pas si vous allez entendre le bruit que fait ce ER5, c'est horrible. Écoutez ça, écoutez. Le bruit est horrible. Un petit scout. Un petit MT-125. Et une autre petite 50 de temps. Tracker, voilà, bon après deux autres petits scouts, je crois que c'est des Kisby et un SD650. Voilà, on a fait le tour des gens qui sont là. Après il y en aura d'autres à mon avis sur Gonfreville. Il manque du monde là, non? Ouais bah tu m'étonnes. Il n'y a plus de place. Jawad, le mec avec le MT-09, il est très très fort. Avant le top départ, on est là tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, faire du bruit, mec! La grande de la hauteur aussi.
10 chevaux plus 10 chevaux pour avoir ton air forcé. Okay. C'est la roue ou c'est à la roue, toujours. Toujours, okay. On part toujours puissance à la roue. Okay. C'est la puissance que tu utilises vraiment. Okay. C'est plus intéressant que la puissance moteur. Okay. Voilà, donc t'es à 120, t'es à 123 chevaux. 123 chevaux à la roue. Ok. Ouais. Je repars de la grande course abonnée. Bon, comme vous avez vu, il y a eu les bandes puissance. Bon, j'ai pas vraiment filmé quand j'ai parlé avec les gars. Franchement, c'est un petit moment sympa, je le referai sûrement. Après, voilà, c'est mieux dans des petits trucs comme ça, des petits événements. C'est moins rébarbatif, on va dire. Voilà, ça fait plaisir quand même de rencontrer quelques-uns d'entre vous. Vous allez sûrement les voir dans la vidéo. Et donc voilà, c'est une petite vidéo pour récapituler la journée. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu. Allez, à la prochaine, ciao!